Moi, c'est Agathe Meunier, j'ai 23 ans et je pratique la gymnastique depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé la gymnastique par la gymnastique artistique, j'en ai pratiqué 11 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai pratiqué la gymnastique acrobatique et j'ai commencé en étant porteuse de duo féminin junior avec Laura Viau. Donc pendant un an, nous avons pratiqué ensemble et nous avons été membres de l'équipe de France junior. Suite à cette année, nous avons formé un trio senior avec Laura Viau et Léna Caro que nous avons gardé pendant 2 ans jusqu'au championnat du monde de Levallois-Perret en 2014. À l'issue de ce championnat du monde, Léna Caro a décidé d'arrêter. C'était le moment pour nous de former un nouveau trio. Donc avec Laura, nous avons trouvé une nouvelle porteuse, donc Tiffany Bonnet. Donc avec ce groupe, nous sommes allés jusqu'aux Jeux européens de Bakou. Ça a été une expérience incroyable, le début d'une belle histoire en trio. Pour nous, c'était pas le moment de s'arrêter, nous voulions aller jusqu'au championnat du monde en Chine. Seulement à la fin de l'année 2015, Tiffany s'est blessée et ça a mis fin à notre belle aventure. Suite à cette blessure, moi j'ai préféré me retirer de la gymnastique à haut niveau et donc j'ai arrêté les compétitions et j'ai continué à m'entraîner par passion et plaisir. Depuis 2016, du coup, je m'entraîne avec Laura Viau depuis septembre et nous essayons de former un duo ensemble. Donc je vous laisse visionner ma vidéo, j'espère que ça vous plaira et que ça permettra de vous convaincre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Il y a le calme et l'oubli.
silence et contemple à chaque fois la beauté de son absence.
was a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Nous sommes nombreux à avoir un rêve, mais peu à faire le premier pas pour le réaliser. Je fais partie de ces personnes qui n'arrivaient pas à donner un vrai sens à leur vie, à lui donner un but précis. Après ma sortie des praticables et mon arrêt de la compétition à haut niveau, je me suis longtemps demandé ce qui allait me motiver, ce qui me passionnerait désormais. Je n'ai jamais pu trouver de réponse, puisque la seule chose qui m'a toujours animée et qui m'animera toujours, c'est la gymnastique. C'est danser, donner corps et âme dans la pratique de ma discipline. Voici mon seul objectif, mon but, ce qui fait sens à ma vie. Alors aujourd'hui, plus que n'importe quel autre jour, je crois en moi, je crois en mon rêve de faire de ma passion mon métier. Et je crois que je peux me réveiller chaque matin en me disant « je l'ai fait, j'ai accompli mon rêve ».